Alors là, on a la route iconique de fans. Quoi ? Pour toi, ça c'est 3 mètres. Qu'est-ce que ? Ah, tu m'entends pas en fait. Je t'entends pas du tout. Je crois que c'est 3,5 m minimum. Bah, on est dans la merde. On est dans la merde. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur Grand Utopia pour une vidéo exclusive. Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, on dit bonjour à L7C Fox. Salut. Il est nouveau là. C'est d'un poil de fion. Hein. Donc, les gars, comment vas-tu, Arthur ? Ça va et toi ? Bah, ça va nickel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on s'est pas dit bonjour. C'est vrai qu'on s'est pas dit bonjour. Alors aujourd'hui, on va transporter un DAF XF. Je suis là, Marseille. Pardon, excuse-moi. On va rouler avec un DAF XF aujourd'hui. On va transporter du sirop d'érable. C'est très très bon. C'est bon, le sirop d'érable. Mais les amis. Je vais me servir dans la cargaison. Ah non, tu vas pas recommencer. Il veut toujours se servir. Des... Alors, les amis, c'est bien beau, sirop d'érable. Et si je prends une ou deux bouteilles, personne ne verra. Bah, demande tout le temps. Avant qu'on parle, demande-lui directement. Mais je sais pas, je connais pas moi lui. Lui là. Il s'appelle comment ? Fox. Ah ouais, oh bah oui, oui, oh bah ouais, ouais. Du coup, les amis, pourquoi ? Et au pire, pendant qu'on roule, toi tu vas dans la remorque. Nous sommes sur la version 1.15 de Grand Utopia, version 1.15 qui n'existe pas encore au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, un grand merci à MyGodness pour cette exclusivité. Cette version sortira donc en fin de semaine, a priori. Tout ce front de mer, si je puis dire, tout ça c'est nouveau. Et en plus, regardez, là, il y a quelque chose qui nous attend. C'est ça qu'on disait dès le début. 4 mètres de hauteur, apparemment, on va passer sous des ponts. Donc, je connais pas du tout. Arthur, il connaît encore moins. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on va vraiment découvrir tous les deux ensemble. Et vous aussi, en exclusivité, en avant-première. Et surtout, on verra si le camion passe ou pas en dessous. On verra si le camion... Et en plus, ce sera vite vu, parce que c'est vraiment le premier point de passage qui risque d'être assez cocasse. Donc il y en a pas mal, des 4 mètres en plus. Hein. Ben, il y en a deux. Non, regarde en dessous. Ah non, c'est pas ici, on passe pas là, ok ouais. Mais si tu veux, on peut y passer, hein, pas de soucis. Vas-y. Ah mais non, attends, regarde, c'est un sens unique à mon avis. Quand je mets le point, ah ouais, on passe... Ah oui, c'est un tunnel tout ça. Ah, d'accord. Oh, ça va, ok, bon, ça va être un tunnel, on va et voir. Il y en a un troisième en dessous. Ah, ah c'est sur le côté. Ah, c'est sur le côté. C'est okay. Sur le côté, très bien, bon, ben voilà. Donc Courpierre, Saint-Sylvestre-Capelle et Denver, c'est nouveau. On va déjà découvrir cette nouvelle route-là. Comme dit, fin de semaine ou début de semaine prochaine, la version devrait être accessible à absolument tout le monde. Donc on va rentrer dans le camion. Hein. C'est mieux, ouais. À la limite, tu pouvais couper, remarque. Ça va, le son ? Ça va. Nickel. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup en commentaire. Tu vois, tu regardes pas à droite. Et c'est marrant. Parce que moi j'ai remarqué ça, ce que je te disais, oui. Je suis assez, c'est quoi, agréablement surpris. C'est que justement tu prends les virages à droite serrés, ça c'est un fait, mais et tu regardes pas à droite et du coup il y en a qui disent que c'est fort. Ouais là je pense que t'as compris où faut aller. Tout droit. C'est fort, bravo. Mais en même temps c'est pas bien. Voilà. Ah fallait le dire quand même. Ah oui alors cette intersection, elle est très drôle. Ah ouais. Bah parce que si tu comprends la logique. Attends mais il y a pas de passage déjà. Donc c'est une priorité à droite. Mais sachant que c'est un sens unique. C'est ouais. Ça ce qui est drôle. Tu vois en fait du prioritaire. C'est ça, ça va encore ouais. Mais tu vois tu passes de la gauche à la droite, ça c'est marrant. Ça te choque pas, non toi tu t'en bats les couilles. Hein. Mais attends, mais je suis sourd d'une oreille frérot. J'ai un problème. Ah ouais? Ouais. C'est fort? C'est bon. Non non, je suis juste sourd d'une oreille. Tu m'entends pas? Si, ah si. D'accord, ok. Oh, oh là là. Oh putain, alors c'est quoi ça? Oh. Ouais mais tu t'es étonné là quand même. Non je regardais dans le rétro. Ok ok. J'ai fait doucement. Ok ok. Mais t'étais pas sûr. J'étais pas sûr que ça allait passer. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. J'ai bien compris que vous préfériez maintenant les vidéos Euro Truck avec Arthur. C'est pourquoi il va vraiment venir plus souvent. Mais c'est pas grave. Moi il je suis content. Il va me kidnapper bientôt. Je vais le kidnapper exactement. Voilà on va tourner 10 vidéos de suite. Et non non mais en tout cas ça fait trop plaisir. Là il prend bien large. Waouh. Elle est belle, hein, la montagne. C'est vrai. On y va ? Eh ben, tout droit. Oh, bravo. C'est bon, les personnes. Puis alors, et tu tournes la tête en pensant que tu... Ouais, mais ça marche pas. Alors là, on a la route iconique de fans. Quoi ? Il était pas là, lui, avant. Ouais. Oh, là, ouais, malheur. Oh, oh. Oh, le... Il vient pas me dire que tout va bien, hein. Hop, là. Ouais, si. Ah ouais, t'es... Oh, putain, y'a un plot là.
Mais quelle idée de laisser traîner un plot en plein milieu de la route. C'est parce qu'il y avait un trou, je crois. Voilà. Mec, si tu te retournes, je me pète une barbe. Normalement, ça se retourne pas ici. Ça, normalement. À 50, 60. C'est pas fait pour, mais tu déconnes, t'as vu la vitesse où t'allais. C'est pas parce que c'est écrit 50, t'es pas avec ta. Hein? Ah, mais là, avec ma voiture, ça je le prends en 80. Bah oui, justement. Espèce de fou. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intersection? C'est un rond-point. Oh là. Et hop là, il a confondu avec un stop. Super, ça commence, ça y est. Alors, vraiment, je le rappelle, les amis, parce que c'est un vrai plaisir, c'est un honneur. Moi, je ne connais pas, je découvre. Arthur, il connaît pas, il découvre. Et vous non plus, vous n'avez jamais vu normalement cet endroit, sauf si vous avez déjà vu une vidéo chez LCC Fox, bien sûr, s'il a pris la même route. C'est vraiment de l'exclu, et vraiment un grand merci à My Godness. Oh, regarde, c'est en miniature. Oh. Ah ouais. Oh. Oh. Excuse-moi. Ah, mais en fait, c'est parce que c'est en construction ici. D'où le fait que sur le rond-point, il y avait la ville en miniature. Ah, d'accord. Ah, c'est chouette. C'est ça ce qui est bien avec Grand Utopia, c'est que comme c'est en construction, et ça va être mis à jour au fur et à mesure, quoi, c'est vraiment sympa. T'as même pas regardé à droite là, c'est... Bah, si. Ah, pardon. En fait, j'avais pas fait attention, donc c'était une question, tu vois. C'était pas une accusation. C'est beau, bordel. Et tu sais, on se croirait. On se croirait sur l'eau déjà, dans un premier temps. On est vraiment au même niveau. C'est-à-dire que si là, il y a à peine un peu de la pluie, c'est la merde. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Attends, ralentis. Non, freine pas, mais juste ralentis au cas où. Ah merde, il est au-dessus, c'est pas grave, t'inquiète. En fait, il y a une cinématique que... Si, on va pouvoir la prendre. T'inquiète, excuse-moi, je voulais pas te déconcentrer. J'étais en train de regarder ce que tu faisais, et ouais, du coup... C'est pas grave. Je regardais plus la route. Non, hé... Oh, oh, hé... Là, c'est joli. Oh, c'est joli. Bon, la Camille, elle rigolerait, mais c'est joli de ouf. Non, c'est vraiment chouette. J'ai senti le volant partir, là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? 3, 2... Donc là, on découvre Saint-Sylvestre-Capelle. Et bien sûr, si tu veux le rétroviseur artificiel, tu n'hésites pas. Il n'y a pas de honte. Non, t'inquiète, je tourne la tête. Comme ça. Oui, voilà. Je me suis dit, bah... Mais c'est vraiment super sympa. Bon, là, la voiture, elle est morte, là. Oh. Bon, on va rien dire, mais... Mais moi je suis content parce que ça s'embellit vraiment de fou, parce que c'est vrai que toi tu connais pas de base, alors toi je sais pas ce que t'en penses finalement de ce que tu vois. C'est sympathique, mais la cascade j'ai bien aimé, là ouais. C'est un peu une ville quoi. Ouais mais moi, justement. Moi la ville je suis pas fan. Bah je comprends. Et c'est ça. Ça la cascade. Regarde tous les détails qu'il y a, même mais ça on se croirait sur GTA. Et c'est ça ce qui est fou. Grand Utopia avant, ça ressemblait pas non plus, c'était pas aussi complexe ça tu vois. Là il y a de la vie de partout. Des voitures partout, des constructions, des structures partout. Comme en vrai, donc bien sûr, mais ça a beaucoup de vie quoi. Avant, ça avait pas beaucoup de vie. Enfin, ça avait moins de vie. Regarde, les gens ils se promènent en short, ils ont cru que c'était. Oh là, les voitures sont dansées. Oh merde, j'ai pas vu. Ah, les bugs, hein, comme dit, ça peut arriver. Ou alors, il se passait quelque chose dans la voiture. Ouais, il y en avait deux, hein. Ah bah, ils se sont bien retrouvés. Ah bah, il y a ton yacht. Mais oui, ouais, sacré yacht hein, quand même. C'est plus un avion. Un paquebot. Ouais, bah non, c'est un truc de croisière. Ouais, un paquebot. Vous voyez tous ces petits sapins, et ben ces sapins là, on les retrouvera sur Sons of the Forest. Ah ouais, tu les coupes et après tu les emmènes. Exactement. Comme ça au moins on aura. Bah, au pire on y va directement sur l'île. Vas-y chaud. Bah il y avait le bateau qui était prêt aussi là. C'est en bateau qu'on y va ou c'est en avion? Et ben on sait pas encore. En hélicoptère apparemment Sons of the Forest. En hélicoptère? Mais on n'a pas plus d'infos tu vois. Ah, vous trouvez un hélicoptère alors. Les gars vraiment Sons of the Forest et un grand merci d'ailleurs à End Night Games. Le studio de développement qui me font confiance et vraiment on va se régaler. Voilà, comptez sur moi le jour, le day one, comme on dit, c'est ça, le D-Day, le jour de la sortie. C'est ça. Voilà, et ben épisode 1 direct les gars. Voilà, vraiment trop trop bien. Et on est arrivé à Courpierre, donc qui est également une nouvelle ville avec des jolies demoiselles, des jolies grand-mères aussi. C'est où, c'est à droite là? Oh non. Oh putain, bon courage. Non, regarde, y a... Non, oui, mais regarde. Là-bas, il y a le. Ah oui, ouais. Il est marqué parking. Ouais, pour camion. Ah, tu t'as pas vu le camion? Tu vois pas le camion? Si. J'avais pas fait gaffe, moi d'accord. J'ai juste vu le P en dessous. Ok, ok. Alors prends bien large. Et regarde aussi à droite quand même pour être sûr. Je sais pas, je crois que c'est un cul-de-sac. Hein. Ça me paraît bizarre. Oh putain. Ça me paraît bizarre, c'est pas ici qu'il faut aller. Hein.
Vas-y quand même. Le point sur le GPS, il était plus à droite. C'est pas grave. Eh, on dirait une séquence. Les chauffeuses de l'extrême là où elles font des détours parce qu'elles paniquent pour prendre un virage. Ah non, ça fait niquer. Mais tu peux faire le tour. Ouais, j'avoue. Non, on avait pas besoin. Fais le tour. Mais regarde vraiment où tu vas. Hein. Ah ouais, voilà. Excuse-moi, hein, je te tourne la vue parce que ça me stresse là. Oh merde. Mais bon. Ah là, il se laisse aller, Arthur. Hein. T'as touché la souris ? Je m'en bats les couilles. Je le connais. Hein. Ah, mais voilà, c'est là qu'il faut se garer. Regarde, il y a des camions. Pardon. Ouais, mais c'est pas là qu'on décharge. Oh, le malheur. Je suis pas droit du tout. Oh ! Oh, punaise. Je me suis arrêté à 1 cm. Bon, je pense qu'on peut faire comme le premier épisode. Ouais, parce que là, je pense qu'on est vraiment mal parti. On a essayé au moins. Exactement. Bah franchement, bravo pour cette belle conduite, quand même, mine de rien, merci, merci. Comme d'habitude. Bon, il a fait un peu plus de folie que la dernière fois, ça, c'est sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oublie pas le pouce bleu, et si tu veux dire le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en as pensé, d'ailleurs? J'ai bien aimé la cascade. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire une mission de Courpierre à, justement, justement Denver. Ça peut être bien sympa pour la deuxième vidéo. Donc voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, plein de bisous, et à la prochaine. Salut.